La deuxième tentative fut la bonne. Le Kenyan Eliud Kipchoge est entré dans l'histoire de l'athlétisme ce samedi 12 octobre en devenant le premier athlète à courir un marathon en moins de 2 heures. Le champion olympique de marathon et détenteur du record du monde a achevé un parcours autour du parc Prader de Vienne en Autriche en 1 h 59 et 45 secondes, même si l'IAF avait déjà dit qu'elle ne validerait pas ce record. Et pour cause, la compétition n'était pas ouverte, en plus de la présence de nombreux lièvres. Pour autant, Kipchoge n'a pas boudé son plaisir. Après que Roger Bannister soit entré dans l'histoire en 1954, il a fallu environ 62-63 ans. Sans me poser beaucoup de questions, maintenant j'ai essayé. Je suis l'homme le plus heureux de courir moins de 2 heures afin d'inspirer beaucoup de gens, de dire aux gens qu'aucun être humain n'est limité. Vous pouvez le faire. Je m'attends à ce que plus d'athlètes du monde entier courent moins de 2 heures dès aujourd'hui. La course organisée et financée par la société britannique de produits chimiques INEOS est surnommée Défi INEOS 1h59 était la deuxième tentative de Kipchoge à descendre en dessous de 2 heures.